Donc ici, vous êtes au niveau du plateau structure, donc du LGCGM. Donc l'objectif de cette dalle d'essai, hein, c'est de tester des structures de génie civil à l'échelle 1, donc pour du bâtiment, des ponts. Donc on teste par exemple des assemblages, des structures complètes, des poutres mixtes, poutres acier aussi. Alors plusieurs mixités, hein, acier béton, acier bois. Donc vous vous retrouvez ici par exemple, pour effectuer ces essais, on a trois vérins, des vérins de 150 tonnes, donc pour être capable d'appliquer des efforts un petit peu réalistes. Vous voyez ici les bâtis, donc deux vérins ici de 150 tonnes et puis un autre au fond. Alors ici vous avez l'exemple de deux résultats de recherche, donc il y en a un par exemple, c'est un poteau tubulaire avec une section I qui est lié à un projet européen. Projet Last Icon, hein, qui vous visait en fait à développer la découpe laser, l'utilisation de la découpe laser pour effectuer des assemblages plus performants. Donc par exemple ici, hein, vous avez une section I qui traditionnellement est découpée et juste soudée sur le tube, et en fait dans ce cas là vous avez des assemblages assez flexibles qui limitent un petit peu les performances du bâtiment. Donc ce qui avait été fait dans ce projet en fait, c'était de faire une découpe laser qui prend la forme de la section I et de faire traverser la section I, donc l'IPE, et ça a permis de développer des capacités au niveau de l'assemblage bien supérieures à ce qu'on pourrait retrouver classiquement. Et donc là vous avez le mode de ruine caractéristique où en fait l'assemblage n'a pas bougé, vous êtes retrouvé en fait avec un voilement de la semelle qui était comprimée. Un deuxième projet donc, qui visait en fait à développer des poutres hybrides acier-béton, donc à utiliser les caractéristiques du béton en compression et puis de l'acier en traction, et à favoriser en fait le coulage ces spécimens sur chantier, donc gagner en rapidité, et puis à remplacer à terme en tout cas des techniques traditionnelles type béton précontraint, qui pose des problèmes dans le temps de durabilité, notamment de la tenue de la précontrainte. Voilà. Donc là, vous avez une poutre un petit peu en forme d'auge dans laquelle on coule du béton. Alors, on a retiré ici la dalle béton, donc on aurait une dalle béton un peu classique. Mais l'intérêt ici, c'est que vous avez déjà tout le coffrage qui est présent et qui va permettre de gagner du temps sur chantier.